Et salut tout le monde, c'est Geek du 974. J'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu, j'ai réussi à me mettre en mode marchand devant le donjon. Il y a quelqu'un dans ma guilde qui est taré, donc je vais pas dire c'est qui, parce que j'ai pas envie qu'il se fasse spam, tu vois. Mais il a voulu pour me faire plaisir, donc c'est un gars qui est riche, hein, je sais pas combien il a. Il a vidé carrément une place en mode marchand pour que je puisse vendre mes clés devant le donjon. Alors, il est complètement fou parce qu'il a acheté une graine de sésame à 1 million, je crois. Enfin, je lui ai jamais dit de faire ça, franchement. Là, tu l'as enrichi encore plus, mais bon, je vais plus donner de nom. Mais franchement, fallait pas. Mais du coup, j'ai mon premier million de Kama. Donc là, j'ai 1 450 000. Donc ça fait plutôt plaisir, ça fait plutôt plaisir. Du coup, par rapport à la dernière vidéo où je parlais des modes marchands devant le donjon, par rapport à pas mal de réactions que j'ai vues sur ma vidéo, franchement les mecs, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, à croire qu'il faut faire ça sur toutes les maps de donjon d'après certains commentaires. Mais bon, je vais passer là-dessus parce que sinon ça va encore faire un débat. Du coup, j'ai vendu tous mes trucs en mode marchand. J'ai pas mis de trucs cheatés en item, mais j'ai pas mis un truc à 1 million hot, tu vois. D'ailleurs, c'est celui qui a fait ça, qui a vidé mon mode marchand pour vendre les clés plus chères, mais on n'en reparle plus. Du coup, j'ai 1 million 4. Donc là, ce que je vais faire, les potes, pour que la vidéo dure plus longtemps, je vais aller taper les captures bouffe-tout qui sont sur mon Enu Trove, je pense. Donc attendez, je prends mon Enu. Alors, toc toc toc. Donc voilà, là il y a mon Enu qui est là. Il a 6 captures, donc je pense que je vais aller taper les captures avec mes persos et on verra si on aura du drop. Hein, parce que honnêtement, je pense plus vraiment faire donjon bouffe tout parce que c'est XP putain que ça. Et donc voilà. Donc on se retrouve pour les captures, les potes. Et relégeant, donc là je suis à l'arène. Donc pour cette vidéo, j'ai mis un débardeur aussi, tu vois, parce que si c'est pour me prendre des commentaires de genre, je pense que c'est des gens qui sont jamais venus sur ma chaîne, tu vois. Ils savent pas qu'à l'endroit où j'habite, il fait super chaud, que je suis obligé de fermer ma fenêtre la plupart du temps parce que sinon il y a des chiens qui aboient et ça fait chier pour la vidéo, qu'il y a la grosse lumière devant moi qui est en train de me chauffer. Mais bon, je vais faire avec, tant pis. Du coup, je vais lancer les captures avec mon Enutrof, donc j'en ai 6, hein. J'ai pas pu faire 10 parce que j'avais la flemme de faire le donjon. Je tiens à m'excuser d'avance si je suis un peu mou durant cette vidéo, mais voilà. Voilà, alors hop, je rentre tous mes persos, les potes. Alors, c'est pas une très belle map, hein. C'est pas une très belle map. Mon Enutrof, je le mets là. Et mon Osa, je vais le mettre ici. Ici, ici. Ouais, quoique. Hein. Plutôt là, plutôt là. Voilà. Ouf, j'ai eu chaud. Donc, challenge. Décanal. Bon, ça, c'est mort par contre. Les adversaires doivent être dans l'ordre croissant. Pourquoi pas, pourquoi pas. Par contre, les potes, je vais pas faire le combat avec vous parce que ça va durer trop longtemps. Je vais vous montrer à chaque fois la fin du combat, voir s'il y a du drop ou pas. Et relégeant, donc là on a bientôt fini. Honnêtement, je suis vraiment pas concentré là. Je sais même pas vraiment pourquoi je fais la vidéo maintenant. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Je pense que c'est le fait d'avoir vu les réactions de certaines personnes qui m'ont un peu déboussolé à croire que faut faire ça devant toutes les places de donjon, quoi. Mais bon, heureusement que j'ai quand même des personnes qui me soutiennent, si on peut dire ça. Alors, cri de l'ours. Putain, j'ai pas fini. Bon, du coup, j'ai un de mes persos qui va mourir. Super. Super, super. Bon, on va finir avec le yop. On va finir avec le yop. En plus, j'ai oublié de mettre mon marteau. Du coup, voilà. Bon, le yop qui hop, d'accord. On n'a pas fait les tchats. Honnêtement, j'ai foiré le tchat bêtement. Donc, une petite laine. Ok, une petite laine. Je vais mettre mon marteau. Et voilà. Donc je vais faire la deuxième capture, les potes. Je vais manger un peu de pain sur mes personnages. Voilà. Donc je vais lancer la deuxième et on se retrouve pour le drop encore une fois.
Alors, relégeant, donc deuxième capture, toujours sans challenge. Les challenges étaient trop compliqués cette fois-ci. Du coup, on va terminer comme ça, c'est pas grave. On va voir si on drop des petits trucs. Rien, rien. Et l'XP merdique en plus. L'XP merdique. Bon, bah écoutez, tant pis. Tant pis. Donc, j'ai lancé la troisième capture, les potes. Et relégeant, donc on va finir cette troisième capture, il me semble. Toujours des tchals de merde, hein, donc ça me saoule un peu. Du coup, je vais finir avec mon yob, donc il n'y aura pas de drop, hein, il n'y aura pas de drop. Hop. Et hop, donc fini. Et rien, donc ça m'étonne pas. Du coup, on se retrouve pour la quatrième capture. Bon, les mecs, pour cette fois-ci, on a fait un petit challenge 60%. Normalement, je le termine. Normalement. Oui. Donc on verra ce que ça donne. Rien. Bon, bah d'accord, deux hormones, mais honnêtement, je m'en fous. D'accord. Bah du coup, il nous reste deux captures. Donc je fais ça tout de suite, les potes. Bon, les gens, j'ai fini la cinquième capture. J'ai oublié de lancer l'enregistrement. De toute façon, j'ai raté les deux challenges. C'était assez tendu. C'était assez tendu. Il y a mon Yop qui est mort. Il y a mon Oza qui est mort. Du coup, j'ai pas pu faire les challenges. C'est assez dommage. Du coup, il me manque une dernière capture. J'espère cette fois-ci, j'aurai des bons chats et je vais réussir à les faire parce que là, c'est assez la dèche. C'est assez la dèche. Alors, je mange du pain rapidement, les potes. Donc voilà. Alors, on regarde ensemble le challenge. Alors, attendez, je positionne bien mes persos. Alors, mon ennemi rentre là. Le Kra ici. Le Yop ici. Et le Osamodas. Ici. Bon, bah voilà. Tout est bien. Alors, je mets le mode tactique. Parce que sinon, ça va être de la galère avec le gros rocher au milieu. Hein. Alors, deux modes de bon tchal. Ah, ça va, ça va. Non, honnêtement, c'est nickel. Donc là, ça va être 65 plus 75. Je vais essayer de faire les deux. Du coup, je vais taper élément feu. Hein. Ça, c'est clair. Même si mon Yop est terre, c'est pas grave. Du coup, je vais booster plutôt mon Kra. Et donc, voilà. Je vais me mettre ici, peut-être. Donc, j'ai arrêté de parler. Pour ce dernier combat, je vous le mets en accéléré, les potes.
Bon, les gens, on va enfin finir. Donc c'était assez long, mais honnêtement, là, il y a deux gros challenges, 75 plus 65. Fallait pas que je loupe. Du coup, on va terminer. On tape feu, épée destructrice. Et le Kra va finir. J'espère drop un truc, tu vois, parce que là, on a pris quand même pas mal de temps. Attention. Oh, putain, rien. Rien, rien. Bon, par contre, l'XP est vraiment pas mal. L'XP est vraiment pas mal. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, attendez, les potes. Donc, j'ai fini ces captures. Honnêtement, on n'a rien droppé. J'ai eu des challenges de merde. Et honnêtement, aujourd'hui, j'étais pas vraiment en forme. Donc, j'étais pas vraiment en forme. Mais voilà, j'avais dit que je vous tournerais ces captures. Il n'y a pas eu 10. Mais bon, c'est pas trop grave. On en a fait 6, donc il n'y a pas eu de drop. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu où j'ai mon premier million. Honnêtement, je pense que je vais essayer de les fructifier pour en avoir toujours plus. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, mais voilà, t'es pas obligé. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Geek974. Portez-vous bien, les amis. Ciao.